Et nous sommes en direct. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous recevoir pour cette superbe conférence consacrée à un pays que vous connaissez tous très très bien. On va rester en Europe. Je vais mettre le petit avion, chers amis, et on va aller s'envoler du côté justement de Budapest. Budapest en Hongrie. Alors, on est seulement à 2 heures d'avion, hein, capitale de la Hongrie, classée à l'UNESCO. Vous allez découvrir une ville magnifique. Peut-être que vous aviez déjà été. N'hésitez pas à en témoigner sur le chat. Et juste avant de commencer cette conférence, moi, j'avais une question à vous poser, chers amis. À quoi correspond ce lieu que vous voyez juste derrière moi? Je vous laisse répondre sur le chat et on se retrouve juste après la vidéo. Alors, à quoi il correspond ce lieu? Je vous laisse répondre directement sur le chat. Je le rappelle que pour ceux qui souhaitent chatter, vous pouvez justement nous écrire directement et on voit vos réponses. Je vois déjà quelques réponses. Eh bien, ce lieu, on dit que c'est une copie conforme du Westminster, exactement. Allez, je vous donne un petit indice. Il est situé face au beau Danube que vous voyez sur la photo. Il a été inauguré donc au XXe siècle et il correspond à quoi? Eh bien, au Parlement hongrois. Parlement hongrois où siège bien sûr l'Assemblée nationale d'Hongrie et également où il y a la bibliothèque de l'Assemblée nationale de Hongrie. Voilà. Donc vous savez tout sur ce lieu mythique. Alors, on va vous parler effectivement de ce lieu exceptionnel. On va vous parler bien sûr de nature, parce que je vous le disais tout à l'heure, le Danube, deuxième plus grand fleuve d'Europe. Je ne sais pas si vous le saviez. On va se détendre, se relaxer également. Et oui, avec les fameux bains. Alors, les fameux bains de Szentcsényi. Je ne sais pas si j'ai eu la bonne prononciation. Tout à l'heure, Géraldine va me le dire dans quelques instants, notre spécialiste. Enfin, on va vous parler d'architecture riche et variée. Et oui, on va vous parler de néo-renaissance, de néo-gothique, de baroque et de l'influence même de la France dans tout cela, vous allez le voir. On va vous parler d'une culture parce que là, on a 1000 ans d'histoire, chers amis. 1000 ans d'histoire, c'est pas n'importe quoi. On va vous parler de ce fameux parlement hongrois qu'on a vu juste ici. On va vous parler aussi de château. On a un château à vous montrer, le château de Gödöllő. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne prononciation. On va se la faire à la hongroise tout à l'heure avec Géraldine. C'était la fameuse résidence d'été de Sissi. Et également, on va vous parler de gastronomie, chers amis, avec la dégustation du célèbre salon de thé Gerbo. Voilà, et on va se relaxer dans un cadre exceptionnel. Donc, préparez-vous, car justement, on va en avoir plein la vue. Alors, en quoi consiste cette présentation? Pour ceux qui nous rejoignent, on va avoir 10 minutes de présentation de Voyage Rive Gauche. Ensuite, on va vous présenter notre superbe escapade, justement, à Budapest. Et on finira, justement, par un jeu concours, tout à la fin, qui va durer 10 minutes. Est-ce que vous êtes prêts, chers membres? Alors, je mets le petit avion. Et juste avant de décoller, je vous propose de découvrir qui est Voyage Rive Gauche en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Moi, je me présente, je suis Lucas, j'ai la chance de co-diriger cette belle entreprise familiale depuis 39 ans, grâce à vous. Dans quelques instants, on va découvrir notre spécialiste, mais juste avant, qui est Voyage Rive Gauche? Voyage Rive Gauche, une sorte de club, chers membres. Eh oui, une sorte de club, grâce à vous. On peut vous applaudir bien fort. Premier avantage, taxi à domicile, on vient vous chercher chez vous et on vous ramène chez vous à la fin de notre escapade à Budapest et à la fin de plus de 200 voyages, faut le savoir. C'est également des conférences web en direct tous les jeudis à 10h. Pour ceux qui souhaitent pas, qui peuvent pas le participer en direct, vous pouvez toujours, bien sûr, les revoir en replay tranquillement de chez vous. C'est également 10 agences entre Paris, Nice, Aix-en-Provence. D'ailleurs, aujourd'hui, chers amis, il y a un événement particulier, celui de l'inauguration de Paris Louvre. C'est en ce moment même, là. C'est en ce moment même, ça va commencer, justement. Donc, préparez-vous. Je crois que vous êtes nombreux et nombreuses à y participer. Voilà, ce sont des agences, tout autrement dit, pour qu'on puisse vous rencontrer. Un catalogue envoyé à domicile, on va en parler juste après. Des prix spéciaux groupe. Et oui, on a des CE, des associations, vous faites sûrement partie, ou de clubs de danse. Vous souhaitez organiser un voyage et vous êtes plus de 10 personnes, eh bien, on peut vous personnaliser le voyage. Aurélie et ses équipes sont à votre disposition pour vous personnaliser ce super voyage.
Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Aurélie sera à l'inauguration avec moi aujourd'hui. Donc voilà, c'est bon à savoir. C'est également des parrains et des marraines. Et oui, bah grâce à vous, encore une fois, je vais vous applaudir parce que c'est grâce à vous tout ça que ça existe. Et merci, si vous n'avez pas encore parrainé vos amis, c'est le temps de le faire, ou votre famille, vous avez un lien juste en dessous, vous rentrez les coordonnées et puis ça va leur permettre, leurs coordonnées, pardon, et ça va leur permettre de rentrer dans le club. Et enfin, c'est également des chambres à partager pour ceux qui souhaitent partager leur chambre à Budapest. Vous allez nous appeler, vous nous dites voilà, moi je souhaite participer à ce voyage, je suis seul et je souhaite partager ma chambre pour éviter de payer le supplément individuel. C'est possible grâce au système de chambres à partager. Alors j'y viens, l'inauguration, c'est aujourd'hui, l'inauguration donc de Paris-Louvre qui a commencé et qui va se dérouler jusqu'à 19h, chers membres. Donc voilà, nous serons au 27 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui est attendu. Vous allez y voir tous nos spécialistes qui vont être là. Voilà, sur beaucoup, beaucoup de destinations, vous allez pouvoir poser un maximum de questions. Et bien sûr, découvrir notre superbe agence que vous avez là. La seule chose que je vous demande, c'est de respecter l'horaire à laquelle vous êtes inscrit et de venir également exactement à l'heure où vous êtes inscrit. Et donc, l'inauguration durera, voilà, 1 heure de l'horaire où vous êtes inscrit dans votre mail de confirmation jusqu'à la fin de cette heure. C'est limité à 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, voilà, on est plus de 800 personnes à vous attendre justement, enfin vous êtes plus de 800 à vous être inscrit à cet événement, donc c'est avec grand plaisir qu'on va vous tous vous retrouver. J'en reviens à mon catalogue. Le catalogue, il est arrivé dans vos boîtes aux lettres, il peut arriver aussi également demain dans vos boîtes aux lettres. Il suffit de s'inscrire dans le juste en dessous, je vous ai mis un petit lien. Alors, ce catalogue, il parle de quoi, chers membres, exactement? Ce catalogue, il va vous parler donc des départs 2022-2023, France, Europe et monde aussi. Bien sûr, on a des circuits, des croisières, des escapades à Budapest, mais pas que, toujours avec notre service de taxi à domicile. Profitez-en puisque les dates 2023, elles sont sorties là, tout de suite. Donc là, vous pouvez justement en profiter. Et juste avant de lancer Géraldine, notre spécialiste de la destination, je voulais vous parler donc que Voyage Rive Gauche, vous dire quelques mots, que Voyage Rive Gauche est un spécialiste de l'Europe, et plus particulièrement de la Hongrie et de ses pays autour. Nous organisons un circuit trois capitales, Budapest, Vienne, Prague. Il reste encore des places, vous pouvez vous inscrire. Taxi à domicile, vol, guide, hôtel, tout est inclus. Pas de surprise chez nous, chers amis, vous le savez. Croisière sur les marchés de Noël au fil du Danube, exceptionnel. Nous avons tout un catalogue avec des réveillons qui sont venus, des réveillons à Vienne, des différents réveillons. Et là, celui-ci, marché de Noël au fil du Danube, une pépite à faire sur une petite croisière fluviale fort sympathique avec le taxi à domicile. Croisière sur la mer Noire. Vous êtes très plébiscité, vous l'appelez plébiscité énormément cette croisière. Et enfin, vous avez les perles du Danube. Et voilà, on fait un passage également par Budapest. Alors, juste avant de découvrir nos spécialistes, ce que je vous propose, c'est qu'on a des belles personnes qui ont organisé déjà toute cette conférence. Et on peut les applaudir bien fort. Vous êtes également beaucoup et nombreux et nombreuses sur le chat. On a du coup Karima qui est actuellement sur le chat en direct. Écrivez toutes vos questions. Il n'y a pas de questions pièges. Vous écrivez toutes vos questions. Quand est-ce qu'il faut y aller? Quand est-ce qu'il faut partir? Vous posez toutes vos questions, les dates qui vous intéressent. On y reviendra. Voilà, que ça soit 2022. Est-ce que, voilà, je vous posais la question. Est-ce que vous préférez partir en 2022 ou en 2023? Est-ce que vous êtes déjà inscrit sur 2022? N'hésitez pas à nous répondre sur le chat directement et Karima répondra du coup à toutes vos questions. Le petit chat il est juste en dessous, vous écrivez dessus et on voit toutes vos questions. Alors ce que je vous propose tout de suite avant de découvrir notre spécialiste, se mettre dans le bain et lancer la superbe vidéo pour justement nous mettre dans les bains, c'est le cas de le dire, vous allez découvrir relaxation et détente avec ces superbes bains. Découvrons tout de suite donc la première vidéo sur Budapest. Je vous laisse mettre les petits pouces, ne les oubliez pas, c'est parti. Thank you.
détente, relaxation, nature, histoire. On est vraiment dans le thème. On est dans un voyage exceptionnel. Donc surtout, profitez bien. Je veux un maximum de petits pouces. Et au-delà des petits pouces, vous avez un petit bouton juste en dessous. Il y a écrit « s'abonner » et ça va vous permettre de cliquer dedans. Ça va vous permettre de vous abonner à toutes nos conférences web et de les découvrir en avant-première. Donc, je vous invite à le faire dès maintenant. Sans plus attendre, je laisse du coup la parole à Géraldine. Géraldine, grand coup de cœur, vous allez voir. Elle nous est venue ici ce matin pour justement faire cette superbe conférence. Elle va vous faire découvrir, vous faire rêver. Voilà, on va parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de culture, de 1000 ans d'histoire, de relaxation avec ces bains exceptionnels. J'ai eu la chance de les tester. C'est le top du top. On va vous parler d'architecture, on va vous parler de nature et de ce fameux, effectivement, parlement que vous allez du coup découvrir. Bon, je ne vous en dis pas plus. Géraldine, fais-nous rêver. C'est à toi, Géraldine. C'est parti. Merci Lucas, bonjour à tous, bonjour aux membres Rive Gauche. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence dédiée à la très belle ville de Budapest. Budapest, la perle du Danube, on l'appelle souvent comme ça. Lucas vous a dit que la Budapest était traversée par le Danube, le deuxième plus grand fleuve d'Europe. C'est en effet une très belle ville que je vous invite à découvrir dès maintenant. Budapest est située à 2 heures de vol de Paris. C'est donc une capitale très facilement accessible le temps d'un week-end, d'un court séjour, ou si vous disposez de plus de temps, évidemment, le pays, la Hongrie, peut vous accueillir pour vous faire découvrir non seulement cette belle capitale, mais également tous ses trésors d'architecture, de nature et une très belle gastronomie. Commençons tout de suite la découverte de Budapest. Le Danube passe au milieu de la ville et découpe la ville en 2 quartiers bien distincts, Buda et Pest, d'où le nom de la ville. On va tout de suite commencer la découverte avec le quartier de Buda. Vous pouvez le voir ici sur cette très belle photographie d'introduction. Le quartier de Buda est le quartier le plus vallonné, avec beaucoup de collines. C'est également le quartier qui abrite le château royal. Nous allons voir une photographie tout à l'heure. Mais ici, vous pouvez voir déjà l'un des bâtiments les plus emblématiques de Budapest, si on peut revenir, merci. Il s'agit du bastion des pêcheurs. Ce bastion des pêcheurs, il a été construit au XIXe siècle. C'est à l'époque un ancien mur d'enceinte qui a été utilisé comme mur de défense par les pêcheurs, d'où son nom. Et maintenant, c'est une belle promenade avec plusieurs belvédères qui permettent de jouir d'une vue exceptionnelle sur le beau Danube bleu. Ce beau Danube donc, que vous avez certainement entendu mis en musique de manière exceptionnelle par Johann Strauss. Donc ce beau Danube bleu est sur le quartier de Pest qui lui fait face. Le château royal qui est en fait l'ancienne résidence des rois de Hongrie, que vous pouvez voir ici. C'est un énorme complexe qui abrite également la Galerie nationale. La Galerie nationale est un musée de peinture qui regroupe les œuvres des plus grands peintres hongrois. Autre bâtiment exceptionnel de Buda, il s'agit de l'église Matthias. Alors cette église, elle a été initialement construite au XIIIe siècle dans le style gothique. Elle a subi plusieurs influences au cours des années. Vous pouvez d'ailleurs voir un toit qui est tout à fait caractéristique avec des tuiles multicolores, plutôt caractéristique du style de l'Art Nouveau, donc à la charnière des XIXe et XXe siècles. Cette église, c'est le bâtiment religieux le plus important du pays. Sachez également que dans cette église fut couronnée reine de Hongrie, la célèbre impératrice Élisabeth d'Autriche, dite Sissi. Le quartier du château, en général, est un quartier fait de ruelles, pavés et de petites places très sympathiques. C'est un joli quartier à découvrir avant, évidemment, de repasser par le bastion des pêcheurs et de partir du côté de Pest. Voici un panorama du côté encore de Buda vers Pest. Vous pouvez voir au premier plan le pont des chênes, le pont emblématique de Budapest. Et à l'arrière-plan, un bâtiment exceptionnel dont vous a déjà parlé Lucas en introduction. Il s'agit bien sûr du Parlement dont je vais vous reparler tout à l'heure. Alors nous avons traversé
le pont des Chênes. Le voici ici. J'aimerais quand même vous raconter une petite anecdote sur ce pont. Il est gardé par d'énormes statues de lions à ses deux extrémités que vous pouvez voir. Petite anecdote concernant cette construction, puisque l'architecte qui a construit le pont des Chênes s'est rendu compte le jour de l'inauguration qu'il avait fait une énorme erreur. Quelle était cette erreur ? Eh bien, en fait, il avait tout simplement oublié de sculpter des langues aux lions. Désespéré par cette affreuse découverte, il n'a pas supporté et il s'est jeté du haut du pont le jour même de l'inauguration. Assez tragique, mais le pont, lui, est resté. Il est magnifique, il est emblématique de la ville et il nous permet d'accéder au quartier de Pest. Nous voici donc au quartier de Pest avec de nouveau une très belle vue sur le Parlement. Alors parlons un petit peu de ce célèbre Parlement qui est en effet le siège de l'Assemblée nationale de Hongrie. Vous pouvez admirer sa splendide façade néo-gothique. Il est situé le long du Danube. Il a été inauguré au début du XXe siècle. C'est un bâtiment avec des dimensions tout à fait exceptionnelles. Évidemment, l'Assemblée nationale, les députés hongrois siègent dans ce bâtiment, donc c'est également un bâtiment administratif, mais on peut le visiter, et on le visite notamment, on a accès au trésor de la couronne. Vous pouvez avoir ici sur cette photographie un très bel exemple de l'intérieur du Parlement avec l'escalier d'apparat. Le Parlement abrite la Sainte Couronne hongroise, ou la Couronne de Saint-Étienne. Saint-Étienne était en effet le premier roi de Hongrie. Sachez en effet également que la coupole du Parlement, que vous avez vue sur la photographie précédente, mesure 96 mètres de haut, ce qui vous donne une petite idée des dimensions tout à fait grandioses de ce bâtiment. Autre endroit tout à fait emblématique de la ville de Budapest, nous arrivons maintenant sur la place des Héros. La place des Héros, c'est une place qui a été inaugurée en 1896 à l'occasion des fêtes du millénaire de la fondation de la ville. Les statues que vous pouvez apercevoir sur le demi-cercle derrière vous, c'est en effet les statues des sept tribus fondatrices de la Hongrie. Alors, la place des Héros, elle s'ouvre derrière par le Bois de Ville, qui est le plus grand parc de la ville. C'est un endroit tout à fait exceptionnel où les Budapestois viennent se détendre. L'hiver, le lac est gelé, donc on peut y faire par exemple du patin. L'été, c'est un endroit où l'on peut se reposer et s'abriter de la chaleur. Et c'est également un endroit où l'on peut visiter le zoo et où se trouvent également les célèbres bains Széchenyi dont je vais vous reparler tout à l'heure. Budapest est également une ville culturelle. Il existe à Budapest un très célèbre opéra. Sachez que cet opéra a été inauguré à la fin du XIXe siècle. Il a été commandé en fait par l'empereur François Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie. François Joseph avait donné la condition absolue que l'opéra de Budapest ne devait pas être plus beau que celui de Vienne. Le jour de l'inauguration, François Joseph était présent et il a découvert que finalement cet opéra de Budapest, il était au moins aussi beau, voire même plus beau que celui de Vienne. Furieux de voir cela, il a décidé de ne pas assister à son inauguration. Mais le bâtiment, lui, il est bien ici. C'est un très haut lieu culturel de la ville. Vous pouvez y assister à de très beaux concerts, opéras, ballets. Et vous pouvez également le visiter en journée. C'est un bâtiment tout à fait exceptionnel, avec des dorures et des moulures tout à fait magnifiques. Je vous propose tout de suite de faire une petite pause avec une vidéo pour pouvoir vous donner encore d'autres aspects de Budapest. Thank you.
bien voici, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné encore plein d'idées pour pouvoir visiter Budapest. Abordons maintenant la thématique des bains, puisque c'est une véritable institution à Budapest. Budapest peut être considérée comme la capitale du thermalisme. Elle possède environ une centaine de sources thermales. C'est une tradition qui a été inaugurée, dirons-nous, à la période des Romains, puis a été perpétuée par les Turcs. Les bains que vous voyez sur cette photographie sont probablement les bains les plus célèbres de Hongrie. Ce sont également le plus grand complexe thermal d'Europe. Il s'agit des bains Széchenyi. Alors, Lucas n'a peut-être pas très bien prononcé, peut-être que mon accent laisse aussi à désirer, mais en tout cas, on va dire que ce sont les bains Széchenyi qui ont été ouverts en 1913. C'est un énorme complexe, comme vous pouvez le voir, avec des bains, des bassins extérieurs et des bassins intérieurs. Le style architectural, si on peut juste revenir, s'il vous plaît, à la photographie précédente, le style architectural plutôt néo-renaissance. Sachez que c'est tout à fait possible de profiter de l'eau thermale de ces bains en hiver comme en été, puisque la température est d'environ 38 degrés, hiver comme été. Très agréable, magnifique ensemble architectural et superbe lieu de détente pour ceux qui aiment le thermalisme. Ça, ce sont les bains Széchenyi. Il y a aussi d'autres bains, bien sûr, à Budapest, et notamment un autre complexe très célèbre qui s'appelle les bains Gellért. Alors, bains Gellért également avec des bassins intérieurs et extérieurs, une eau évidemment entre 38 et 40 degrés, donc très très agréable. Je voudrais juste dire un petit mot sur le style architectural pour les bains Gellért, qui est plus dans le décor art nouveau, art déco, avec beaucoup de céramique et beaucoup de mosaïques. Abordons maintenant la thématique. Prochaine photo, s'il vous plaît. Merci. Voici maintenant la synagogue. Je voulais quand même vous parler de ce bâtiment assez exceptionnel à Budapest, puisque la synagogue de Budapest est la plus grande d'Europe et la deuxième plus grande au monde après celle de New York. Elle a une signification particulière, en tout cas un aspect particulier. D'habitude, dans les synagogues, il n'y a pas d'instrument de musique. Celle-ci est exceptionnelle puisqu'elle possède un orgue. Alors, par ses dimensions, elle est très impressionnante. Sachez que dans le jardin qui est derrière la synagogue, vous pouvez voir ce que l'on appelle l'arbre de vie. C'est en fait un arbre avec, dans la forme d'un saule pleureur. Chaque feuille indique le nom d'un juif qui a péri pendant la période de l'Holocauste. Et il est intéressant de noter que cet arbre de vie a été financé par un très célèbre acteur américain que vous connaissez probablement tous et toutes. Si je vous dis amicalement vôtre, ça va certainement vous mettre sur la piste. Il s'agit en effet de Tony Curtis. Tony Curtis était d'origine hongroise et c'est lui qui a contribué au financement de cet arbre de vie situé dans le jardin de la synagogue de Budapest. Quelques mots sur les transports à Budapest. Vous pouvez voir ici le tramway. Il y a bien sûr plusieurs lignes de tramway à Budapest. Ce que je voulais vous signaler, c'est qu'il existe le métro à Budapest. Le métro qui, finalement, est très ancien, puisque la première ligne de métro, qui s'appelle la ligne du millénaire, est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Elle a été inaugurée en 1896. C'est en effet la deuxième ligne de métro construite au monde après celle de Londres. Quelques mots sur le marché couvert. C'est un endroit également emblématique de Budapest. Sachez que c'est le plus grand marché de la ville. On les appelle également les halles centrales. Le marché couvert est un véritable paradis pour ceux qui aiment la gastronomie, un véritable régal pour les papilles. Vous pouvez y trouver toutes sortes de nourriture très, très appétissante, charcuterie, vin, fromage. Le bâtiment en lui-même est également très intéressant à découvrir, puisque vous pouvez voir sur l'une de ces photographies la charpente en acier qui peut rappeler un petit peu quand même le style de Gustave Eiffel. L'extérieur est plutôt de style néo-gothique. C'est un endroit stratégique de Budapest pour venir faire ses courses, pour se balader et pour faire bien sûr quelques emplettes.
Petite parenthèse verte avec l'île Marguerite. L'île Marguerite est la plus grande île située à Budapest. Elle est reliée en fait aux deux quartiers Buda et Pest par une ligne de tramway. C'est un endroit où il n'y a pas de véhicules, donc un véritable poumon vert pour la ville, surtout en été lorsqu'il fait très chaud. C'est également un véritable paradis pour les sportifs puisqu'on peut y pratiquer diverses activités sportives comme le footing, le vélo, la natation et bien d'autres encore. C'est très agréable de s'y promener également et vous pouvez tout à fait la découvrir lors de votre découverte de la ville par vos propres moyens également. Alors, nous ne pouvons pas parler de Budapest sans évoquer une thématique absolument fondamentale, notamment pour nous Français. Il s'agit, on va d'abord dire quelques mots sur le château de Gödöllő. Alors, ce n'est pas Gödöllő, même si ça s'écrit Gödöllő. Lucas, ce sera Gödöllő avec l'accent hongrois. C'est un palais qui a été construit au XVIIIe siècle et qui est devenu, à partir de 1867, la résidence d'été de la famille impériale des Habsbourg et notamment de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, donc de Sissi, qui était également reine de Hongrie. C'est le plus grand palais baroque de Hongrie. Sissi aimait beaucoup passer du temps en Hongrie et elle aimait beaucoup ce palais. Il a été rénové pendant plusieurs années. Et maintenant, vous pouvez y découvrir le faste de la période des Habsbourg et vous replonger un petit peu dans l'histoire de ce palais et évidemment dans la vie de cette emblématique impératrice et reine de Hongrie qui était Sissi. Gödöllő est situé à 30 km environ de Budapest. Vous avez dans le programme de voyage Rive Gauche la visite de ce palais qui est évidemment incluse. Quelques mots avant de passer à la thématique, à une autre thématique, sur la Pusta. La Pusta, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la grande plaine hongroise. La Hongrie en général est un pays assez plat. Et la Pusta, qui est située plutôt au sud-est de la Hongrie, c'est un endroit où vous pourrez admirer notamment des spectacles de cavaliers, d'éleveurs de chevaux hongrois, qui font de magnifiques acrobaties dans des spectacles hauts en couleur. C'est tout à fait typique du pays et je vous engage, dans le cadre d'un prochain voyage en Hongrie, à découvrir cette belle tradition qu'est les cavaliers hongrois dans la Pusta. Abordons maintenant la fameuse thématique de la gastronomie, puisque c'est bien sûr quelque chose qui est très important pour nous, Français. Alors, la gastronomie hongroise, elle a subi plusieurs influences, tout comme le pays lui-même. On peut bien sûr d'abord parler de l'influence turque ottomane. Il faut savoir que la cuisine d'Europe centrale est parfois considérée comme peu variée, peut-être parfois même un peu rébarbative. Ça n'est pas du tout le cas avec la gastronomie hongroise. Et je peux vous dire que c'est une cuisine qui est haute en couleur, qui est très épicée, qui est très fleurie, et grâce à l'utilisation notamment du paprika. Le paprika est l'épice tout à fait de base pour un grand nombre de mets hongrois, et notamment celui dont vous avez probablement déjà entendu parler, la soupe goulash. Le goulash, qu'est-ce que c'est ? C'est une soupe qui est un mélange de viande, de légumes, d'oignons et évidemment assaisonné avec le célèbre paprika et qui donne un goût tout à fait épicé et tout à fait exceptionnel. C'est un plat à goûter absolument pendant votre séjour. Sachez également que la Hongrie fabrique du foie gras. Lucas, vous parliez en introduction de l'influence de la France. Vous pouvez goûter du très très bon foie gras également en Hongrie. Mais je ne peux pas parler de la gastronomie hongroise sans évoquer les vins hongrois, car la Hongrie produit des vins et de très bons vins. Vous avez dans l'est du pays, à environ 200 km de Budapest, la région viticole de Tokaj. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette appellation. La région de Tokaj produit des vins qui sont plutôt liquoreux, assez sucrés, mais qui sont d'une renommée tout à fait internationale. Vraiment des vins qui sont délicieux, notamment pour accompagner le foie gras. Et lors de votre découverte de Budapest avec Voyage Rive Gauche, vous avez évidemment
une dégustation de vin hongrois. Influence sur la gastronomie hongroise également de l'époque de l'Empire austro-hongrois, puisque à Vienne, il y avait beaucoup de cafés viennois à la fin du 19e siècle. C'est également le cas à Budapest. Il y a beaucoup de cafés qui vous rappelleront peut-être un petit peu les cafés viennois si vous avez déjà découvert cette belle capitale autrichienne. Vous avez dans le programme de Voyage Rive Gauche une petite halte gourmande à la pâtisserie Gerbo, qui est une véritable institution à Budapest. Vous pourrez découvrir et déguster de très bonnes pâtisseries et goûter un excellent chocolat chaud dans l'ambiance du 19e siècle, de l'Empire austro-hongrois et peut-être même un petit peu de Sissi. Cette découverte est, je pense, assez courte, mais elle vous a permis quand même de voir un petit peu ce que Budapest pouvait vous offrir lors de cette escapade. Je vous invite maintenant à voir une seconde vidéo sur la ville et j'espère que cette présentation vous donnera envie de découvrir la magnifique capitale de la Hongrie qu'est Budapest.
Alors, chers membres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Magnifique, hein? Alors, qui est magnifique? Géraldine ou Budapest? Non, cesse de plaisanterie. Les deux sont exceptionnels, effectivement. Et je vous remercie, Géraldine. Superbe personne, en tout cas. Merci de nous avoir fait rêver, Géraldine. Tu as été au top du top. Alors maintenant, qu'est-ce que vous préférez, du coup? Vous allez préférer, voilà, le Parlement hongrois? Vous allez préférer les bains? N'hésitez pas à en témoigner sur le chat. Tiens, ça peut être intéressant, justement, d'échanger ça ensemble. Et tout de suite, sans plus attendre, chers membres, eh bien, découvrons, justement, parce que vous êtes souvent à me le poser, enfin, vous m'avez posé la question, combien ça coûte d'avoir l'opportunité de passer 4 jours avec Rive Gauche à Budapest? Eh bien, pas de surprise, dès 999 €, on a une superbe date le 20 septembre. Je vous ai également mis le supplément individuel pour ceux qui souhaitent partir seuls, ou bien vous pouvez partager votre chambre, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez contacter donc d'ores et déjà Karima qui est se met à disposition justement numéro ici, juste à côté. Alors justement, juste avant de vous parler de ça, ce que je voulais vous dire, dedans il y a quoi? Le taxi, les vols, les excursions, l'hôtel. Très important, on est sur une collection privilège. Qu'est-ce que ça veut dire la collection privilège? Limité à 25 personnes, petit groupe, on est bien, limité à 25 personnes. Hôtel, écoutez bien, en plein centre-ville. Et puis ensuite, on a cette fameuse dégustation du célèbre salon du thé gerbeau. Voilà. Dégustation de vin hongrois également. Une croisière sur le Danube. Et voilà. Et bien sûr, la détente dans les bains. Bah oui, on est là pour se détendre. On est là pour se faire plaisir. Et bien, d'ores et déjà, vous pouvez du coup vous faire plaisir en réservant justement. Maintenant, n'oubliez pas de prendre l'assurance. L'assurance, c'est pour partir de manière zen. Très important. Si vous êtes cas contact ou quoi que ce soit, on vous rembourse. Ne vous inquiétez pas. Donc surtout, voyagez zen, voyagez tranquille. Ça, c'est super important. Voilà. Et donc, prêt pour l'escapade à Budapest. Alors ça, c'était pour les prix. Vous avez bien sûr en dessous tout ce qui est programme, date, que vous avez directement dans le petit lien en dessous. Vous allez tomber sur notre site internet. Sur le site internet, vous avez un petit devis gratuit. Vous cliquez dedans, ça vous permet de faire un devis sur la date qui vous intéresse. C'est le justement sur la date du 20 septembre 2022. Pour ceux qui sont intéressés pour les dates 2023, signalez-le nous. On vous trouvera les dates qu'il vous faut par téléphone. Karima s'occupera de tout. Alors, on continue, chers amis, avec les surprises. La première surprise, et effectivement, c'est qu'on a les frais de dossier qui sont offerts pour toute réservation, justement, avant le... avant 2 semaines, voilà, donc avant, pas ce vendredi, mais le vendredi dans 2 semaines, pour toute réservation. Bah oui, c'était pas prévu, j'ai même pas l'info sur le slide, bah c'est du live, hein, vous connaissez le live. Nous vous offrons les frais de dossier, et puis passons tout de suite au deuxième, à la deuxième surprise. La deuxième surprise, c'est le fameux jeu concours. Le fameux jeu concours, dans quelques instants, vous verrez une phrase, une question exactement apparaître. Et je vous laisse aller prendre vos téléphones portables là tout de suite maintenant. Et c'est le moment d'aller jouer en téléphonant, juste en envoyant un SMS au 07 49 20 75 45. Et en répondant, chers amis, à la question suivante qui est « Comment se nomme le célèbre pont avec la tête de lion, les têtes de lion ?» Réponse A, pont Élisabeth. Réponse B, pont des chênes. Ou réponse C, pont de la liberté. Je répète, comment se nomme le célèbre pont avec les têtes de lion ? Réponse A, pont Élisabeth. Réponse B, pont des chênes. Réponse C, pont de la liberté. Je vous laisse mettre dans le SMS votre nom, prénom, adresse mail et la réponse à la question A, B ou C. Il n'y a qu'une bonne réponse, chers amis. Donc, c'est à vous de jouer. Cette semaine, nous aurons la chance d'avoir un superbe guide sur Budapest pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors, qui sera l'heureux gagnant? Je vous laisse directement nous contacter par SMS d'ores et déjà, dès maintenant. Et le gagnant cette semaine, chers amis, on va changer un petit peu. On le donnera directement sur Facebook. Voilà, on fera une petite publication sur Facebook avec le nom du gagnant qui remportera directement un superbe guide sur Budapest. Donc maintenant, d'ores et déjà, vous pouvez encore jouer. Faites-le.
Et puis moi, je vous souhaite du coup une excellente journée. Je suis désolé, je suis un peu pressé aujourd'hui. Pourquoi ? Comme vous le savez, il y a quoi aujourd'hui ? Il y a l'inauguration à Paris, Louvre, du coup, au 27 rue Jean-Jacques Rousseau. Je vous retrouve donc tous et toutes là-bas si vous souhaitez venir avec plaisir. N'oubliez pas, vous reprenez le mail d'inscription. Je vous l'ai mis juste en dessous. Vous pouvez encore cliquer dans le petit lien. Respectez surtout vos horaires. On se voit du coup aujourd'hui à l'inauguration avec grand plaisir. Je serai vraiment très très heureux de vous rejoindre là-bas. Et puis voilà, je file parce qu'on m'attend. Moi, ce que je voulais remercier, c'est surtout Géraldine. Un grand merci à toi. Parce que tu as fait une superbe conférence. Je voulais remercier également toutes mes équipes d'avoir participé justement et préparé toutes ces belles conférences. Et oui, pourquoi ? Parce que c'est la dernière conférence avant l'été. Et donc, nous reprendrons les conférences à partir du mois de septembre avec plein de surprises. On va vous présenter le réveillon à Vienne. On va vous présenter des destinations lointaines. On va vous présenter vraiment de tout. Vous nous connaissez maintenant. Plein de surprises pour voyager depuis votre canapé. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur le petit lien « S'abonner » pour recevoir juste en dessous toutes nos conférences en avant-première. Vous avez également dans ce lien toutes les conférences qu'on a faites. Et puis, laissez-moi vous souhaiter un excellent été. Profitez au maximum. Faites-vous plaisir. Voyagez. Partagez vos photos de vacances sur notre page Facebook « Voyage Rive Gauche ». Et puis, je vous souhaite un excellent été. Je vous dis au mois de septembre. Et puis, excellente journée pour ceux qui viennent à l'inauguration. À tout à l'heure. Ciao, ciao.